commence. À notre droite, nous avons le quartier le plus célèbre. Parce qu'à cette époque, beaucoup de gens arrivaient à Liverpool à bateau. Pour plusieurs compagnies de navigation, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été marin marchand. Et c'est eux qui ont fait les célèbres paquebots comme la Reine Mary, la Reine Victoria et la Reine Elizabeth, bien sûr. George Harrison, il travaille pour cette compagnie et c'est eux qui ont fait le tristement célèbre Titanic. Il est venu à un hôtel et un restaurant. Et si vous prenez l'ascenseur jusqu'au 7e étage, il y a trois terrasses bas. Du fleuve Mersey, nous avons le ferry pour l'île du Nord. Aux années 50 et 60, les marins qui faisaient des traversées transatlantiques ont ramené toutes les dernières nouveautés des États-Unis, y inclut les disques de rock'n'roll qui ont tant inspiré les quatre garçons dans le vent, qui ont été mis au chômage. Et ces docks sont restés délabrés pendant quelques années. Mais maintenant, les docks dans le sud, tout navire à container. Donc ça a changé le visage du centre-ville. 1846, par le prince Albert, le concert de la reine Victoria. Et bien sûr, c'est nommé Albert Dock d'après lui. Donc on repasse les trois grâces, 45, âgé de 4 ans. Il est né dans l'Albert Dock. Vous pouvez voir le pump house. C'est l'ancien 19e siècle. Et vous avez un très bon vue aussi sur, à droite sur l'édifice de Royal Liver avec ces deux oiseaux de Liver qui sont le symbole de la ville. Le musée des Beatles, mis à part, nous avons la galerie d'art moderne de Tate Gallery. Et nous avons trois musées nationaux, donc ils sont gratuits. Le musée debout parce qu'il fait semblant de couler, c'est à gauche. Après, vous avez le sous-marin jaune des Beatles et le Joker du film Batman. Voilà le musée des Beatles qui fête son 25e anniversaire cette année. C'était Bono, le chanteur de U2, qui devait lui présenter le prix. Et pour il y a 4 semaines seulement que j'ai vu Paul McCartney dans cette salle. Entre la marée haute et la marée basse, il y a une différence de 10 mètres. Et les parents des Beatles aussi ont travaillé dans le corps. Cette grille rouge est de provenance d'une carrière dans la banlieue de Wilton. Les Beatles ont donné un des premiers concerts en 1957. Ce n'était pas un concert de stars et les jeunes filles du quartier les ont aimées à un tel point que les walkers, les garçons qui aimaient le rock and roll du quartier sont devenus jeunes. Je ne sais pas exactement ce qu'ils tournent là, mais Liverpool c'est la ville où on tourne le plus grand nombre de films d'après Londres, bien sûr, Cyclab. Donc je vous souhaite fortement de l'inviter. À cette époque, parce que John avait 3 ans de plus que George, mais le frère aîné de George était dans la même classe de John. Et c'est la prochaine voie à droite, c'est la paroissiale de l'église Saint-Barnabas, où Paul McCartney a réussi à devenir membre de la chorale. Et les chorémens s'y sont produits à plusieurs reprises. Et à une certaine époque, aux années 60, le chanteur de Queen, Freddie Mercury, a logé dans cet édifice actuellement sur notre droite qui est aujourd'hui un pub. La maison du quartier que nous approche à droite, c'est la maison en jaune. Elle a les grilles avec les Beatles qui font le mot help en sémaphore. Et si vous regardez derrière vous, ils ont un mural, une fresque peint au thème des Beatles, c'est derrière, membre de la chorale. Et il était de retour en 1982, quand son frère cadet, le chanteur et le photographe Mike McCartney, et Paul, qu'il a fallu 2 heures pour le marier pour entrer dans l'église.
le ministre a dû sortir pour implorer les fans de la laisser passer. Après tout, c'était le jour de la mariée et pas de Paul. Je crois, dans ce quartier de la ville, s'il faisait couper les cheveux. Dans la chanson, le photographe expose les photos. Nostalgie pour le quartier où il a grandi. Et je pense que John Lennon avait le même sentiment. C'était une rue écartée à cette époque par un nom touristique comme aujourd'hui. Jazz parisienne qui s'appelle le Cabaret de la Bouchette. Mais c'est comme ça, il y a un club pour le skiffle et après ça pour le rock and roll. Et les Beatles s'y sont produits les soirs, mais aussi pendant la pause déjeuner à midi. Et les jeunes filles qui ont assisté à ce cabaret pendant plusieurs jours.